Allez, bordel de chiottes! En route pour Djerba, Force 5, allemand presque arrière. Il y a un peu de creux, je sais pas si ça se voit dans les caméras. Ça avance. Je suis obligé de contourner toute une partie de la côte parce que il y a pas de fond là. Il y a très peu de fond et il y a beaucoup de bateaux qui se sont échoués. Shit. C'est pas vrai, mais c'est chaque fois pareil. Putain! Putain! Toujours regarder, je regarde pas. Putain! Pourquoi il y a autant de câbles? Il y a pas d'entre deux fils dans le port, vous avez le temps. De pouvoir en mettre les chiottes. Ah, fiche. Regarde ça. Ça adore s'accrocher. Ça adore faire chier. Pas le moment de tomber à l'eau. Alors j'ai mis le tambon et puis je me suis rapproché trop près des côtes. Pas trop près, j'ai bifurqué à temps. Là il n'y a pas de fond, c'est un vrai repère à épave. Je ne sais pas si on voit bien. Et donc je suis là, le petit truc rouge là qui descend. Et donc je vais bifurquer entre les bouées, d'ailleurs qui n'existent pas. Là il y a une épave. Et donc je vais descendre sur 12 000, donc environ 2 heures.
je vais longer parce que là on est au large des îles Kerkena. Mais elles sont encore assez loin, hein. Mais on peut pas s'approcher, il n'y a pas d'eau. Et encore une autre épave. Et donc je vais descendre et à ce moment-là, je vais pouvoir bifurquer. Je vais bifurquer sur... Ah ben non, je vais bifurquer là. Je vais bifurquer sur Djerba. Voilà. Bon, c'est pas évident aujourd'hui, hein. Parce que j'ai mis en place, on va aller voir, il y a force 5 bien établie là. Je sais pas si ça se voit avec les vagues, on fait balancer dans tous les sens. J'ai établi le tangon, et donc je suis tout seul pour le débuter, ça va pas, c'est galère. Pour le passer de l'autre côté là, à un moment on va falloir que je le fasse, je vais voir comment je vais faire. Je sais pas si on voit si les images on a du creux quand même, hein. Bon mais c'est pas ça va quoi, force 5. Mais tout seul avec le tambour en plus à gérer là qui est assez lourd, et en plus à l'avant ça balance pas mal, voilà quoi. Mais on avance bien, on est à 6 nœuds. Dauphins avant, parce qu'il n'y a pas de fond ici, hein. il y a 10, 12 mètres, 15 mètres de fond. Je sais pas si on voit les reflets de l'eau, si on voit bien les reflets. On voit le sable là. Je sais pas si dans la caméra on le verra. Ah, les îles Kerkena, en plus elles sont loin, on les voit pas là, hein. Elles sont très plates. J'ai vu un gros dauphin avant là qui est passé juste devant le bateau. Les pêcher. Voilà. 12 nœuds. Bon, faut ranger le bordel. Je vais ranger à l'avant déjà. On part en surf. Bon, et bien ça va être le moment d'y aller, de virer de bord avant qu'il fasse complètement nuit. Bon, je vais profiter qu'il reste un peu de lueur pour préparer mon génois. C'est à peine lune, mais j'ai peur de rien voir. Allez, tu vas virer là. Putain.
Ok. C'est pas beau cette pleine lune? Je dois attendre comme ça. Je dois attendre un petit peu. Sinon, je vais me prendre encore les rochers qui sont un peu plus bas. Là. Ça y est, j'ai viré de bord. Il fait nuit. Et on fait du sineux, au moins. Au moins du sineux. Mais c'est mon petit merveille, un détecteur de radar qui se met en route là dès qu'il y a des. Il y a des pêcheurs, enfin dès qu'il y a quelqu'un à radar. Ça marche plutôt bien. Je suis assez content parce que devant effectivement il y a des pêcheurs. Ça garde une veille. Pas mal. Après bien sûr ceux qui n'ont pas de radar, on les voit pas. Bon ça. Comme ça. 5h30. Alors il y a un chenal, ça doit être là-bas, il y a un chenal là-bas pour accéder. Waouh, ça va être space. Ah, je vois des trucs là-bas. Et je crois avoir vu une bouée rouge là-bas, il manque plus que la verte. Ah, ça doit être vers là-bas. Ça y est, on arrive, on a 3 mètres sur le bateau. Ah, j'en reste pas bien pour retrouver l'entrée. Ouais, parce qu'en plus ici il y a des marées, alors c'est pas des grosses marées, mais comme il n'y a déjà pas beaucoup d'eau, c'est des marées quand même d'un mètre. Hein. Enfin, ouais. Donc on est vite dans la merde. Salut les gars, salut! Les gens ils renvoient toujours le petit salut. C'est comme une lagune. Hein. Ah, c'est comme une lagune. Pas une entrée. Vraiment l'eau, super, comme un lac. Et puis là-bas agité, ici tout calme.